Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans. Avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application FP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Simon Paillard, préparateur physique, notamment de la surfeuse Joanne Defay. Suite au visionnage de cette vidéo sur sa chaîne YouTube, j'ai été très surpris de l'entraînement de cette dernière, d'où de cet épisode. Quelle est donc la vision de la préparation physique de Simon Bonne écoute. Salut Simon, comment vas-tu aujourd'hui Salut Rudy, ça va super et toi Bah ça va bien. Je rentre euh, de l'élite training symposium à Nevers, Je ne sais pas si euh, tu suis un peu ce qui se passe en métropole, mais c'était un, un événement euh, un peu pour euh, les coachs et futurs coachs où euh, okay. on intervenait avec euh, des collègues sur différentes thématiques. Donc, bah, je okay. pense que si tu avais été là, ça t'aurait plu. Euh... <laughs> tu serais ouais. intervenu, je pense. très plutôt intervenu. Mais malheureusement, je suis loin de tout ça. Je suis à La Réunion et je suis en voyage neuf mois par an. Donc, euh, bon, je suis pas souvent euh, en métropole et encore moins sur Paris. Euh... Est-ce que tu es euh, originaire de La Réunion Non, pas du tout. Je suis originaire d'Annecy. Oh euh, C'est vrai Tu étais ouais. où à Annecy Tu étais à Annecy même Ouais, ouais, Annecy même. Ouais. Je suis au Savoyard, moi, et je suis à La Réunion depuis 15 ans. Oh, énorme! Qu'est-ce qui t'a amené euh, il y a 15 ans à La Réunion alors? Bah, un peu, euh, je suis venu là un peu par hasard. J'avais juste envie de, de voyager un peu, de, de voir autre chose. Et, euh, et puis j'avais en tête de faire le la diagonale des fous. Donc je suis venu à La Réunion quelques mois. Et puis euh, et puis bah, j'ai trouvé un petit boulot qui est devenu un boulot à temps plein. Et puis voilà, j'ai fait, fait ma place ici. J'étais bien. Et, et puis bah, tous, les, tous les ans, au moment de. De, de se poser la question de est-ce que je rentrais à Annecy ou pas, et puis ben, finalement, voilà, au bout de 15 ans, je suis encore là. Ah bah C'est énorme parce que moi, j'habite à côté d'Annecy maintenant. Euh... <laughs> on aurait plus se croisés, presque. Je suis arrivé il y a 12 ans, donc putain, on n'était pas là. Ah, ouais. C'est énorme. Et euh, qu -ce qu'est-ce qu que tu faisais comme euh, boulot quand tu étais sur, sur Annecy et eh ben en fait, euh, j'ai eu un parcours euh, moi euh, assez classique, on va dire, comme les gars maintenant qui font de la préparation physique. Je suis passé par euh, STAPS. Euh, et du coup, ben j'ai fait mes études entre Chambéry et Grenoble. Et puis après, euh, il a fallu que je bosse un peu. Je me destinais au départ à être euh, professeur d'éducation physique. Et puis euh, après avoir passé le CAPES, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas trop pour moi le fait de, de devoir bouger d'Annecy, de, de me retrouver en banlieue ou dans des régions avec lesquelles j'avais pas beaucoup d'affinités, parce que moi, je, je, à l'origine, je suis un montagnard, je suis un skieur, donc. Euh, je me voyais mal partir quelques années, euh, voilà, enseigner loin de, de ma région. Et ouais, j'ai préféré, du coup, euh, ben, arrêter ça. Et du coup, j'ai commencé à tra travailler un peu pour un groupe de commerce d'articles de sport. Euh, voilà. Et, et puis, j'ai bossé quelques années pour eux en parallèle de mes études et, euh, et du coup, après mes études. Et, euh, et, puis, euh, et puis, du jour au lendemain, je suis parti à la Réunion pour, pour voir autre chose et changer complètement de, de, de boulot, de, de, ouais, de décor, de tout. C'est original parce que tu dis que tu étais plutôt skieur à la base. Après, je comprends que tu es devenu un peu trailer parce que tu voulais faire diagonal des Fous, peut-être que tu as fait, on va en reparler. Et donc, tu arrives à la Réunion et le, le ski, c'est terminé, quoi Ouais, le ski c'est terminé. Après, euh, voilà, moi j'ai passé euh, toute mon enfance sur des skis, hein, depuis que j'ai deux ans et, et jusqu'à mes 30 ans, j'ai fait du ski, euh, j'ai fait énormément de ski, de snowboard. Euh, c'était vraiment, euh, c'était mon sport. Après, voilà, c'est un sport euh, qui est, euh, si on a de la chance, six mois dans l'année. Donc les six autres mois, il faut faire autre chose. Et, euh, et puis bah du coup, moi mon autre passion c'est la course à pied. Depuis que je suis gamin. Euh, j'ai toujours aimé ça. J'ai été euh, longtemps euh, au, au club d'Aix-les-Marins, qui est un super club formateur en jeunes. Euh, voilà, j'ai euh, fait les crosses, euh, j'ai fait du demi-fond avant de me spécialiser sur plus du 400 mètres. Voilà, j'ai fait, ça m'a permis de faire toutes mes études avec un statut de sportif de haut niveau. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait STAPS avec quelques facilités pour l'emploi du temps, pour. Euh, voilà le choix des options, enfin voilà, on est tous passés par là, on sait un peu de ce que c'est. Quand on est euh, sportif de haut niveau en France, on a quelques facilités. Donc euh, voilà, c'était euh, la course à pied, c'était mon truc jusqu'au jour où je me suis blessé euh, un peu euh, sérieusement au genou, euh, qui m'a, ça m'a tenu euh, un peu loin des pistes d'athlète pendant euh, au moins deux ans, on va dire. Et du coup, j'ai euh, commencé à faire beaucoup de vélo à cette, à cette période. Et puis euh, et puis j'ai commencé vraiment à bien aimer le vélo et, euh, et du coup je suis parti sur du triathlon un peu par hasard comme ça et, et voilà mais le triathlon est devenu une passion et j'ai découvert ce que c'était vraiment l'entraînement ce que c'était de s'entraîner deux à trois fois par jour voilà, des, des trucs comme ça et c'est vraiment à partir de ce moment là je pense que j'ai vraiment accroché avec le, la préparation physique où j'ai commencé à me poser pas mal de questions et à faire pas mal de recherches aussi. Je reviens rapidement sur ta blessure en athlète. Qu'est-ce que tu t'es fait exactement pour t'éloigner deux ans des pistes Alors, j'ai eu, euh, eu une fissure du ménisque euh, et on m'en a enlevé une bonne partie en me disant que euh, bah, ce n'était pas grand-chose, que j'allais vite revenir et tout. Donc, euh, je pense que j'ai pris les choses un peu à la légère. Euh, je me revois encore euh, le lendemain de l'opération à, à virer les béquilles et à me dire, bah, c'est bon, j'ai pas, pas de douleur, j'ai moins de douleur, euh, ça va le faire et tout. Et, et puis, en fait, ben, j'ai traîné ça, ouais, pendant pendant deux ans. Dès que je dès que je voulais recommencer à courir, ben j'avais à nouveau des douleurs, euh, j'avais des gênes. Ça enfin, c'était pas euh, c'était pas insupportable. Hein. J'étais pas non plus, je boitais pas et tout, mais sur euh, dès que je mettais les pointes et que j'allais sur la piste, eh ben j'étais pas à l'aise, quoi. Et euh, surtout quand on fait du 400 et du 400 r on a besoin d'avoir des genoux quand même assez. Euh, assez solide quoi et, et, euh, et du coup ben j'ai perdu un peu quelques repères sur la piste avec ça et j'étais pas à l'aise j'étais plus à l'aise avec la course à pied et plus à l'aise avec le sprint et est ce que tu pensais avant cette blessure pouvoir atteindre le très haut niveau être en équipe de france et, et compagnie pas du tout non on va être honnête hein. non, non euh, j'étais j'étais bon en junior euh, euh, j'ai eu de la chance de, de faire quelques quelques coupes d'europe quelques trucs comme ça euh, mais voilà, après, moi, c'était plus, euh, plus pour le fun, c'était pour être avec les copains, c'était euh, voilà, euh, parce que pendant que tu es étudiant, ben, c'est cool aussi d'avoir ça à côté. Mais euh, non, je ne me suis jamais vu euh, faire carrière vraiment là-dedans. Donc, tu découvres le triathlon. On, dans les, <laughs> les personnes qui ont déjà on dit que quand tu démarres tard la natation, c'est un peu compliqué, on est un peu un, un caillou. Est-ce que toi, justement, avec euh, cette sensation de glisse que tu avais au ski et au snow ça s'est répercuté positivement en natation ou tu es un, toujours un caillou Ah pas du tout non, j'étais une vraie enclume, euh, <laughs> vraiment ouais ouais compliqué. Mon premier triathlon, je m'en rappelle, je l'ai fini, je l fini en à la brasse, euh, limite à me noyer. Enfin c'était hyper hyper désagréable. Par contre j'avais quelques qualités à vélo et à pied et ça m'a permis de, de quand même réussir à faire une course, on va dire correcte. Et puis euh, et puis ben j'ai essayé après de de, de me remettre à nager. Après, j'ai de la chance. étant gamin, j'ai toujours nagé un peu. Mon père est un ancien nageur, donc euh, j'ai passé pas mal de temps quand même à la piscine le dimanche euh, en famille. Et euh, je pense que voilà, j'étais, euh, j'avais quand même quelques, euh, on va dire, je pouvais me permettre de d'avoir quelques sensations en natation quand même, de retrouver quelques quelques sensations si, si je m'entraînais un peu. Du coup, j'ai commencé à m'entraîner vraiment beaucoup en natation, à hein, nager quasiment tous les jours pour essayer justement de de pouvoir euh, ne pas sortir dans les derniers euh, sur un triathlon. Quoi. Et, et là, par rapport au triathlon, parce que euh, donc, euh, ski, snow, euh, course à pied, donc euh, 400 mètres, tout ça, après, tu, pa tu parles de diagonale des fous. Est-ce que aujourd'hui dans ta pratique du triathlon, si tu en fais toujours, parce qu'il y euh, a pas beaucoup d'informations sur toi, c'est aussi le, le but du podcast, <laughs> est-ce que tu t'es contenté des courtes distances ou tu as aussi fait des, du long Non, alors j'ai fait aussi du long. Euh... À La Réunion, j'en ai fait un peu. D'ailleurs, je crois que j'ai eu un titre sur le championnat de longue distance une année, si mes souvenirs sont bons. Bref, ce n'est pas important. Mais ouais, je... en fait, j'ai découvert l'ultra-endurance vraiment euh, après en arrivant à La Réunion avec la Diagonale des Fous. Et c'est vrai que je me suis aperçu que même sur le triathlon, bah, sur les épreuves plus longues, j'étais encore mieux. Quoi. Mais euh, j'ai toujours aimé les, les distances assez courtes donc, euh, soit les, la distance olympique, soit le sprint. Euh, parce que pour moi, ça a toujours été un super entraînement. Je ne suis, euh, je, je suis pas un énorme bosseur euh, à l'entraînement. Il euh, y a des gars, je vois, qui ont une énorme rigueur et qui sont capables de se mettre des charges énormes, de tout planifier, d'arriver euh, le jour de la course, ils sont au top et tout. Non, Moi, je m'entraîne tous les jours, même s'il y a des courses. Donc, euh, j'aimais bien euh, m'entraîner euh, toute la semaine, arriver le dimanche, euh, faire mon sprint ou mon cours de distance, et puis, euh, puis voilà, le matin, ça s'était fait, et puis l'après-midi, bah, je retournais rouler. Quoi. Et euh, en fait, c'est vraiment ça que j'adorais du triathlon, c'est de me dire que je m'entraînais tout le temps et les courses me servaient d'entraînement aussi. T'es voilà. grand comment la Réunion pour faire du vélo Je ne me, je me rends pas trop compte. Bah alors, je peux te le dire, le tour de Lille, il fait 213 km. <laughs> ah, ça va quand même Donc, voilà. Mais moi, tu fais toujours le même tour, quoi, c'est ça On fait toujours le même tour, ouais. Après, il y a quand même pas mal de routes. C'est pas non plus, euh, pour comparer, c'est pas Tahiti où il n'y a qu'une seule route. Euh, à la Réunion, il y a quand même les hauts. Donc, il euh, y a pas mal de montagnes, il y a des belles ascensions. Il y a le Maïdo qui fait quand même euh, 2400 mètres de dénivelé euh, non-stop. Euh, voilà, il euh, y a plusieurs routes euh, de montagne. On a le volcan, on a euh, le cirque de Silaos, le cirque de Salazie. Euh, C'est hyper varié. Il euh, n'y a quasiment pas de plat à La Réunion parce que même quand on fait un tour de l'île, euh, on a euh, presque 2000 mètres de dénivelé positif sur le tour. Donc, euh, donc voilà, le terrain est plutôt sympa. Après, c'est vrai que bah, ça fait 15 ans que j'y suis. Euh, j'ai poncé toutes les routes de l'île. Hein. Et, et, et donc, il y, y a des triathlons qui sont organisés à l'île de la Réunion Ouais, il y a plusieurs triathlons. Alors moi, ça fait quelques années que, que j'ai arrêté. J'en fais un de temps en temps pour le fun et tout, parce que euh, bah, j'ai fait tout, toutes les mêmes courses. <laughs> je les ai faites euh, plusieurs fois. Et c'est vrai que maintenant, j'ai moins de plaisir à les refaire. Et puis euh, j'ai moins de temps aussi parce que, comme je te disais, je suis toujours en, en déplacement et que, et que bah, bah, c'est difficile de programmer aussi euh, une saison quand on n'est euh, jamais chez soi. Quoi. Alors j'en viens un peu à cette partie euh, préparation physique. Euh, comment, comment tu deviens préparateur physique Parce que là, si je regarde tes réseaux que tu n'animes pas trop, euh, il <laughs> y a marqué que voilà, tu es préparateur physique, on voit que tu fais du triathlon. Comment tu en arrives à devenir préparateur physique. Et euh, de ce que j'ai pu voir, en plus, tu as fait euh, tout ce qui est euh, des brevets fédéraux, musculation fonctionnelle. Si j'ai pas te connu, tu fait peut-être coach altero aussi. Euh, ouais. Donc tu as fait tous les trucs un peu euh, bah, que mon pote Aurélien Broussal avait mis en place il euh, y, y a un moment. Donc comment tu ouais. arrives à te, à te passionner un peu pour la préparation physique ben déjà, je te dis moi, euh, quand j'étais étudiant, c'est vraiment ce qui me plaisait le plus, euh, ce côté entraînement et tout. Et c'est vrai que bah, après, euh, de par mon activité professionnelle, j'étais, j'avais relâché un peu le le, le truc, quoi. J'étais plus trop là-dedans. j'avais du mal à, à percevoir les opportunités, on va dire, pour bosser dans la préparation physique et euh, gagner ma vie avec. Euh, donc voilà, j'ai lâché ça un peu, et puis en arrivant à la Réunion, euh, je me suis remis un peu dedans. Euh, j'ai fait quelques formations, euh, notamment aussi avec, euh, avec euh, Transfert. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je vois bien, très bien. Tu as, as fait leur diplôme de préparation physique, c'est ça? Ouais, parce que je suivais pas mal les travaux de Yann Lemur à l'époque et, euh, et j'ai vu qu'il était intervenant sur, cette, euh, sur ce, ce diplôme de prépa physique et du coup bah, j'avais fait euh, je l'avais contacté pour suivre un peu les, la formation et j'avais adoré. Et du coup derrière bah, ouais, j'ai enchaîné plein de... D'autres formations, notamment avec Aurélien Brossal, tu vois, le coach altero, muscu fonctionnel, ce genre de trucs. Euh, voilà, je, depuis, ça fait ouais, 10-15 ans que je me forme régulièrement, on va dire une fois par an, je me fais une formation et j'essaye je, de mettre à jour un peu mes connaissances et tout. Et puis après, ben, moi, je suis quelqu'un de terrain, donc j'ai toujours, euh, toujours été sur le terrain, au contact des clubs, des athlètes. Euh, j'ai entraîné pas mal de clubs de triathlon, clubs de course à pied. Euh, et puis après, j'ai bossé en tant aussi que un peu, je sais pas comment on peut dire, consultant intervenant quoi, sur des, euh, des stages, sur des week-ends, des trucs comme ça. Voilà. j'ai toujours eu un pied dedans. Et puis, euh, et puis après, ben, quand j'ai commencé à travailler avec Joanne Defay, c'est là que on va dire que mon... ma, ma pratique s'est vraiment professionnalisée. Ben, elle a pris une autre tournure parce que là, j'ai mis un pied dans le très haut niveau. Et, euh, et il a fallu que moi aussi, j'ai la sensation de faire mon boulot à très haut niveau. Donc ça m'a mis un bon coup de pression et, et, et voilà. Alors, euh, je pose une question. Qu comment tu découvres le, le, le surf euh, Parce que alors je reviens sur le ski et le snow. Est-ce que quand on fait du ski et du snow, on a cette sensation de glisse Est-ce qu'on a des facilités, on va dire, à, à faire du surf Et est-ce que tu fais toujours du surf Alors, ouais, je surf quasiment tous les jours. J'étais encore ce ah ouais. mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas de vague, donc euh, j'ai pris mon vélo et je suis allé rouler à la place. Mais euh, oui, là, j'ai pris le... Depuis dix ans que je voyage avec Johan, je, je surfe beaucoup, beaucoup plus qu'avant. J'ai découvert le surf en arrivant à la Réunion. Euh, et puis, bah, justement, c'était pour compenser un peu ce manque de, de neige, on va dire, et euh, essayer de retrouver des sensations de glisse. Donc, ce n'est pas du tout la même glisse, ce n'est pas le même élément et tout, mais malgré tout, il y a pas mal de points communs. Euh, ça m'a pas empêché de galérer quand même au début parce que le surf c'est vraiment une activité euh, qui, est, qui est ingrate on va dire et, et hyper frustrante parce que il euh, y a plein de, de paramètres il y a plein de il plein de choses à faire avant de réussir à se mettre debout sur la vague donc euh, donc voilà c'est pour ça que c'est hyper frustrant et tout j'ai galéré quelques années et puis euh, et puis voilà mais cette activité m'a passionné et me passionne encore parce que euh, j'ai rarement vu un sport aussi exigeant euh, dans, dans tous les domaines, qu'ils soient, euh, qu soient mentaux ou, euh, ou physiques, justement. Avant qu'on déroule un peu la préparation physique pour, pour le surf, je reviens rapidement sur tout ce qui est préparation physique pour le triathlon, course à pied. J'imagine bah, que tu suis un petit peu... Euh, voilà ce qui se dit. Il y a, y a beaucoup de personnes, même en près, même on va dire des entraîneurs, qui pensent que la musculation, et j'en parlais encore la semaine dernière avec deux copains qui ont une application de course à pied, que... Euh, la musculation en tant que telle est pas forcément indispensable ou du moins utile pour euh, les pratiquants euh, d'activités d'endurance. Qu quel est ton avis sur le sujet ben, euh, Je pense qu'on a tous un avis. Euh... Bien <laughs> sûr, mais <laughs> c'est le tien que je demande, t'inquiète pas. Hein. <laughs> ah ouais. euh, moi, je pense euh, aujourd'hui que la musculation est euh, incontournable dans tous les sports. Voilà, euh, c'est pas. Après, il y a un amalgame souvent. Les gens confondent musculation et prise de masse, ce genre de truc, quoi. Euh, non, il faut vraiment. Euh, pour moi, le, la musculation, euh, elle est importante dans le sens où euh, un coureur, un cycliste, un nageur, ils doivent être connectés à un moment donné. Et, euh, et voilà, si le haut du corps est pas connecté avec le bas, eh il il va pas se passer grand chose. Donc, euh, la musculation, elle est importante déjà pour ça et puis, euh, et puis euh, ben, je suis désolé mais moi tu mets un coureur je, quand j'analyse sa foulée et ses qualités de pied je peux te dire s'il va manquer de, 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 de force, d'explosivité de... enfin tu vois il y, y a des choses comme ça aussi euh, qui sont pour moi incontournables quoi. même un cycliste euh, je vois pas comment il peut se passer de musculation vraiment euh, moi je, je roule tous les jours je te dis je fais des milliers de kilomètres par an et je vois la différence quand euh, je fais des cycles de musculation avec mes athlètes et tout, ou quand je lâche la musculation pendant quelques semaines parce que je suis en déplacement, ben, je peux te dire que je le ressens sur mon vélo. Hein. Quand, quand on est en déplacement, tu ne fais pas euh, de muscu Ben, j'en fais, euh, mais on va dire que euh, j'emmène du petit matériel tu vois, en déplacement. Déjà, quand, souvent, on voyage avec euh, une vingtaine de planches. Euh, on a plus de 200 kg de bagages à deux. Enfin, euh, c'est, euh, on peut pas emmener plus de matériel. <laughs> Donc, on a du petit matériel de musculation. Et il y a des endroits où il y a des salles de, de muscu, des salles de CrossFit et tout qui nous accueillent. Donc, on peut aller euh, soulever un peu de fonte de temps en temps. Mais euh, c'est pas euh, forcément le cas toute l'année. Il y a des périodes où, où on peut pas euh, s'entraîner beaucoup et voilà, quoi. Donc, on compose avec. Quoi. Alors, alors, quand elle les réunion, moi, ce qui me fait euh assez rêvé, c'est ta petite salle extérieure. Alors je ne sais pas si c'est chez toi, si c'est ton, ouais, ouais. ton, ton, ton jardin, mais je trouve ça, euh, as, je trouve ça terrible. Quoi. Vraiment, quand je vois ça dans, dans les vidéos euh, de ouais. Joanne, je, je me dis, putain, mais c'est le paradis. Je me dis, putain, c'est incroyable. Bref, petite dérive. Euh, quand je... Moi, j'y connais rien au surf. Et donc, à part les, les vidéos de Joanne que j'ai découvertes il euh, n'y a, a pas longtemps, ouais. euh, j'ai vu, entre guillemets, ce que tu lui fais faire en termes d'entraînement, que ce soit de course à pied, de vélo. Je vois la côte que tu lui fais faire où elle doit battre son record des fois, tout ça. Euh, la muscu avec des exercices qu'on ne voit pas souvent. Alors, je commence euh, simplement et un peu ouvert. Quelles sont les qualités euh, que tu cherches à développer en préparation physique pour être un bon surfeur ou une bonne surfeuse? C -c Comment tu vois les, les choses? Parce qu'on voit que tu lui fais faire de la force, on voit euh, que tu fais travailler son cardio, mais je n'ai pas l'impression de ce que je peux voir. Et ça fait pas longtemps que je suis, mais que c'est pas des longues distances non plus que tu fais faire en vélo. On voit que ça va faire une heure. En course à pied, des fois, ça fait une demi-heure. Quelles sont les qualités qui font, euh, d'un point de vue euh, qualité physique, qui font un, un bon surfeur en dehors de la technique euh, en, en mer, évidemment Alors, tu vois, le truc, c'est que il euh, y, y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en considération, ce que je disais tout à l'heure. Euh, si on, on analyse un peu la, la, la compétition en surf, on est sur des séries qui durent 30 à 40 minutes. Voilà, ça dépend, les, ça dépend les, les choix du directeur de compétition, mais on est sur voilà, 30 à 40 minutes de série. Euh, et sur un plan d'eau qui peut être complètement lisse ou complètement démonté. Euh, une mer qui est démontée, c'est aussi beaucoup de courant, c'est beaucoup de vagues, donc ça veut dire faire beaucoup de canards pour passer sous les vagues, ramer à contre-courant, tout ça. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 30 minutes, euh, eh ben, mon surfeur, des fois, il va passer 30 minutes à ramer. Donc euh, par rapport à un nageur, voilà, tu, tu peux comparer cet effort, tu vois, euh, ça veut dire euh, 30 à 40 minutes de notation non-stop. Euh, ça, fait, ça fait quelques bornes, tu vois. Euh, tout ça à contre-courant, tout ça en, en équilibre sur une planche, tu vois, que tu dois euh, contrôler avec ton abdomen, tu vois, parce qu'on ne se rend pas compte, mais ramer sur une planche, ce n'est pas complètement euh, anodin, ce n'est pas quelque chose de facile. Euh, on voit bien les débutants, on est obligé de leur donner des grandes planches assez plates, euh, qui sont assez stables, parce que si on leur donne une, une borde d'un pro, euh, clairement, ils, même allongé dessus, ils ne tiennent pas. Donc, euh, donc voilà, il y a tout un effort de ce côté-là. Et, euh, et moi c'est ça un peu qui m'a interpellé au début quand j'ai commencé à suivre Johan euh, c'est de me dire c'est bizarre les, les surfeurs font pas de font pas de cardio font pas d'aérobie c'est quelque chose c'est inconnu pour eux et tout alors que euh, la plupart du temps en compétition quand il y a des vagues et qu'il faut ramer à contre-courant pendant des longues et des longues minutes euh, ils ont besoin d'aérobie ils ont besoin d'une bonne filière ils ont besoin d'endurance de, de, spécifique dans les bras de tout ça quoi euh, donc voilà, ça a été un peu le point de départ du truc. Et, euh, et du coup, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'aérobie. Et il y a quelque chose de non négligeable aussi euh, avec l'aérobie, c'est que qu'on sait aujourd'hui que euh, les athlètes qui ont une bonne filière aérobie ont plus de facilité à contrer les effets du jet lag. Et c'est un paramètre qui est hyper important dans le surf parce qu'on peut euh, traverser la planète, euh, tu vois, en, en quelques jours. Et des fois, on a des compétitions à l'autre bout du monde. Euh, voilà, euh, là, euh, par exemple, euh, on va passer de Tahiti au Salvador à Rio. Enfin, euh, tu vois, on va enchaîner plusieurs euh, créneaux, plusieurs fuseaux horaires et tout, et que, bah, à chaque fois, le jet-lag, il est hyper important parce que les compétitions, elles s'enchaînent, il faut récupérer très vite. Et donc, une bonne filière aérobie, c'est aussi euh, un atout en plus euh, pour pouvoir contrer ces effets. Quoi. Par exemple. Tu vois. Euh, ensuite, dans l'activité surf, euh, évidemment, euh, l'aérobie, pour moi, c'est la première chose. Et ensuite, ben, tu as toutes les qualités de force, d'explosivité. Donc, euh, tu as des qualités aussi de, de, de sprint. Si tu veux, à un moment donné, pour démarrer une vague, il faut être capable de sprinter. Euh, ça va durer euh, entre une et trois secondes mais il faut falloir sprinter avec les bras donc il faut des qualités aussi euh, à Nairobi enfin euh, il y, y a beaucoup de choses quoi et après ben sur le plan euh, technique ouais il va falloir euh, disposer de pas mal de force euh, dans les jambes mais être connecté aussi avec tes bras parce que en surf c'est les bras qui dirigent euh, c'est pour ça que quand on analyse les images on voit les surfeurs souvent le, le mouvement de bras il est assez important c'est les bras euh, très écartés euh, Très ouvert et euh, du coup, beaucoup de rotation du haut du corps, de choses comme ça. Et, et voilà, donc il y, y a tout un, un, un transfert aussi entre le haut du corps, le bas du corps. Euh, voilà, et puis euh, pas mal de, de force dans les jambes parce qu'il faut contrer aussi euh, la force centrifuge. Parce que quand tu, euh, tu descends un mur d'eau, que tu dois faire ton virage en bas pour remonter, et faire un virage en haut de bague. Euh, T'encaisses pas mal de G quand même. Donc euh, il faut tenir sur ses jambes. Euh, c'est plein de choses comme ça. Il y a tout en fait. Dans le surf, il y a tout. Et ben alors, je, je dérive, j'ai tout noté. <laughs> euh, tu, tu parles d'aérobie. Et euh, donc avec des efforts euh, quand, quand c'est des séries en surf de 30 à 40 minutes. Et euh, de ce que je vois, encore une fois, ça fait pas longtemps que je regarde sur Strava tout ça, et je sais pas si vous mettez tout. Mais. Euh, les, les efforts que tu fais en aérobie ou que tu fais faire à Joanne, on voit, c'est souvent dans ces dans ces durées-là. Tu vois, est-ce que ça t'arrive de s'il y a une hors saison, je sais pas comment ça s'organise un peu en surf, mais est-ce qu'il y a une partie où tu vas faire des efforts plus longs, peut-être à plus basse intensité, ou finalement il y a toujours des compétitions et en fait tu es toujours en train d'être d'être assez spécifique dans ton développement de l'aérobie On a on a une euh, on, on a une intersaison quand même entre on va dire sur la période novembre-décembre, on a une intersaison euh, à La Réunion et là, on fait beaucoup d'endurance de, fondamentale. On est vraiment sur des intensités euh, faibles et, euh, et des efforts plus longs. Euh, après, est-ce qu'il y, est qu y a un réel intérêt pour Johan euh, Je pense qu'il est quand même minime, mais, euh, mais des fois, c'est juste le fait de... Euh, J'aime bien l'expression, tu vois, changer d'air, euh, faire autre chose. Euh, à l'origine, moi, je suis préparateur mental. Euh, j'ai fait mon DU à Clermont-Ferrand et, et c'est vrai que j'ai fait mon DU de prépa mentale parce que pour moi, la prépa mentale et la prépa physique ne vont pas euh, l'un sans l'autre. Euh, on ne peut pas dire je fais de la prépa mentale ou je fais de la prépa physique. Euh, moi, je fais les deux. Quand je fais de la prépa physique, je fais aussi du mental. Et quand je fais du mental, je fais aussi du physique. Enfin, C'est étroitement lié. Et donc, le, le fait de changer d'air en fin de saison, ça veut dire aussi. Euh, « Allez, on arrête de penser à la compétition, on arrête de penser à tout ça. ça » Enfin, on, pa, il faut passer à autre chose, il faut… Euh, voilà. Et du coup, ben, c'est des fois, c'est chouette d'aller se faire des longues, des longues randos dans ma fat, euh, des longues sorties à vélo avec les copains, euh, des trucs comme ça. Et c'est plus pour le fun, on va dire, vraiment que pour la préparation. Hum, alors, je te pousse aussi sur euh, les, les efforts croisés. il y a aussi un peu deux écoles. Ceux qui disent que les efforts croisés ne servent pas à grand-chose. Et euh, ceux qui pensent que justement ça permet de rajouter euh, du volume facilement tout en changeant d'air, comme tu dis, toi tu es plus partisan euh, de cette deuxième façon de faire. Euh, Est-ce que tu euh, mesures les effets tu sais, Aujourd'hui c'est la mode un peu des datas. Est-ce que quand tu fais une longue sortie, par exemple hors saison, tu vas prendre ton quart de fréquence-mètre et dire voilà, faut qu'on soit à telle pulsation, et après ça se répercute, euh, entre guillemets, euh, sur des efforts plus intenses quand la saison arrive non, euh, on, on va surveiller quelques paramètres comme ça. Tu vois, les, sur les vélos, on a la chance d'avoir maintenant aussi les capteurs de puissance, ce genre de truc. Tu vois, donc je vais jeter un œil dessus, mais euh, c'est pas une donnée, pas la donnée qui m'intéresse le plus. Tu vois, la FC, le, les watts et tout, c'est bien, je pense, quand on est vraiment dans des, chez des athlètes qui font des sports d'endurance. Euh, là, quand Joanne elle prend son vélo et tout, ouais, je, je jette un œil aux donné, mais mais vraiment c'est pas euh, c'est pas forcément euh, ce qui m'intéresse. Euh, on va être plus sur les sensations, sur euh, sur elle ce qu'elle en qu'elle en retient d'un effort comme ça. Moi, ce que j'aime bien des fois, c'est un peu euh, challenger mes athlètes, quoi. C'est euh, allez, on se fixe un petit défi. Euh, et là, dans le cas de Joanne, par exemple, euh, ouais, on va aller faire le tour de l'île, on va essayer de de le faire en 7 heures, tu vas voir comment t'es pendant 7 heures sur ton vélo, et puis ça va te sortir un peu de ta routine euh, de 30 à 40 minutes de, de série en compétition, et tu vas voir autre chose, et, euh, et puis je vais te mettre dans un groupe où il y a des cyclistes, des triathlètes et des trailers euh, qui s'entraînent différemment, qui ont un, un autre état d'esprit, une autre vision, enfin, voilà, et ça va te faire du bien de sortir de ça et de voir ce que les autres font un peu, parce que quand tu vas retourner dans ton sport, tu vas te dire, ah ouais. On bosse différemment, mais euh, on peut bosser aussi. quoi. On, on pourrait imaginer que, comme c'est euh, un sport aquatique, tu passes plus faire de la, de la natation dans les vidéos, à, à part pour la préparation d'un swim and run que vous avez fait, où on voit qu'elle euh, <laughs> est attachée quand ça court pour que tu la tires un peu. Euh, Est-ce que tu vas faire aussi de la natation Ou justement, tu te concentres plus sur des efforts euh, plus globaux avec la course à pied, des randos, et parfois le, le vélo sur des longues distances pour euh, développer l'aérobie Ouais, disons que la natation, on va en faire parce que pour l'endurance spécifique, euh, on est obligé. Maintenant, on ne va pas se taper des séries en natation. Je préfère... Euh, on a la chance à la Réunion de pouvoir surfer toute l'année. Donc, généralement, notre priorité, euh, tous les jours, en se levant le matin à 5 heures, c'est d'aller checker les vagues, d'aller voir s'il y a un surf à faire et de commencer par ça. Donc, euh, si on arrive à surfer régulièrement, on va dire qu'il n'y a pas besoin de rajouter de la natation. Par contre, si on a des longues périodes sans surf, ce qui peut arriver quand on a un cyclone, quand on a des, des tempêtes et tout, des trucs comme ça, on ne va pas trop à l'eau. Euh, et du coup, ben là, on va peut-être rajouter un peu de natation, on va profiter du lagon pour aller euh, justement nager un peu. Et tout. Mais on va dire que euh, en surfant tous les jours, il n'y a pas forcément besoin de, de rajouter de la natation. On l'a fait au début, il euh, y a dix ans en arrière, quand on a commencé à travailler ensemble, parce que... Euh, moi, quand j'ai regardé un peu ces compétitions, ces premières compétitions auxquelles je l'ai accompagné, et puis les compétitions d'avant, on a la chance d'avoir des vidéos de, de la WSL, parce que toutes les compétitions sont, sont filmées et diffusées à la télé. Et ben, moi, ça, pour moi, c'était flagrant qu'elle avait des progrès à faire à la rame, euh, qu'elle n'était pas assez mobile sur le spot et, euh, et peut-être un peu trop essoufflée quand elle revenait euh, au line-up pour aller chercher une autre vague. Donc voilà. Au début, on a vraiment bossé la rame à fond. Euh, je l'ai même fait ramer en piscine, accroché euh, à, à un élastique, la planche accrochée à un élastique et, et faire des séries, des 15-15, des 30-30, 15 -15, euh, voilà, des choses comme ça. Euh, pas mal de séries aussi à ramer dans le lagon où euh, moi je m'accrochais derrière avec une plus grosse planche et elle devait tirer, euh, des choses comme ça. Quoi. Euh, fait pas mal et on en fait un peu moins maintenant. Voilà. Euh, L'an dernier, elle s'est blessée, elle s'est fait une fracture des métatarses, euh, elle a été immobilisée quelques temps. Ben, clairement, les premières séances qu'on a reprises, c'était de la rame euh, comme ça, très spécifique. Je dérive sur euh, la force, l'explosivité. Euh, on a pu voir dans les vidéos que tu faisais faire du soulevé de terre euh, assez lourd. Euh, Est-ce qu'il y a euh, on va dire des, des mouvements que toi tu affectionnes particulièrement, euh, où tu vas chercher à développer la force euh, si oui, lesquels? Et je renchéris, euh, tout de suite. Est-ce qu'il y a un niveau de force au-delà duquel tu penses que ça sert à rien d'aller pour le surf ou tu dis bon, là, euh, je sais plus, elle fait du souhait en série de 3, 105, 110, quelque chose comme ça de, de mémoire. Ouais. est-ce euh, est que, est que ça vaut le coup que euh, tu l'entraînes pour monter à 3, ou finalement, tu vois, tu te dis bon, 3 à 110, finalement, c'est largement suffisant. C'est déjà très fort, c'est déjà une très bonne base physique et on va se concentrer pour développer autre chose et pas gâcher de l'énergie dessus? Alors. Euh, là aussi, il y a plusieurs écoles. <laughs> Dis-moi ton école. <laughs> euh, moi, euh, ça, ça me fait penser un peu... Euh, il me semble que dans le podcast précédent, avec Fabien, tu lui as posé un peu le même genre de questions. Et, euh, et euh, je vais te répondre un peu la même chose. Euh, moi, je pense qu'il faut euh, toujours aller chercher un peu plus euh, sur ses points forts. Voilà. Euh, Joanne, elle a un profil de surfeuse puissante. C'est du power surfing, comme on dit. C'est euh, du surf, on va dire, assez classique. Euh, mais sauf que euh, la, la, la dimension féminine là-dedans, ben, ça change la donne. Quand on voit ça chez un mec, on se dit Ouais, il est power, euh, c'est du beau surf et tout, mais il va lui manquer les airs, il va lui manquer. Bon. Là, chez une fille, clairement, quand ça devient power, euh, ça fait la différence par rapport aux autres filles. Il y a tous les gabarits chez les filles. Et il euh, y a des filles qui sont très légères, très light, qui surfent très bien, mais euh, visuellement, moi je trouve ça moins sympa parce qu'elles vont pousser beaucoup moins d'eau, euh, elles vont pas, euh, elles vont pas fendre euh, les vagues comme pourrait le faire une fille qui est beaucoup plus puissante. Donc euh, euh, Joanne, elle a ça, elle a vraiment, euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui est très très puissant. Euh, on le retrouve beaucoup dans son surf. Euh, ça fait dix ans qu'elle est sur le tour et, euh, et elle continue de progresser. Là, cette année, si tu as suivi un peu, elle est en train de faire sa meilleure saison. Elle est actuellement numéro deux mondiale. Elle a gagné une épreuve, elle a fait une finale euh, en back to back. Euh, eh ben, je me dis que peut-être qu'on a raison d'insister euh, sur, euh, sur, son, sur son point fort qui est, qu est la force et la puissance et de continuer à développer euh, ces, ces qualités-là, tu vois, et surtout sur le deadlift qui est un exercice que j'affectionne particulièrement. Donc, euh, oui, je vais continuer à la pousser là-dedans. Par contre, euh, je ne vais pas non plus en faire, euh, en faire trop. Il y a un moment donné où. Euh, euh, la, la, la saison, l'intersaison, elle est assez courte pour se préparer, donc il faut aller à l'essentiel. Donc le deadlift, il va revenir quasiment à chaque séance, mais je ne vais pas lui faire euh, un max non plus euh, tous les trois jours. Euh, je, on ne va pas faire non plus euh, que de, de la force, de l'hyperforce et tout ça. Voilà, c'est que euh, il faut aussi euh, faire tout un tas de choses à côté. Donc, euh, donc voilà, elle continue à progresser au deadlift, mais la progression est quand même très lente. Les exercices, est-ce que tu en d'autres sur lesquels tu cherches à faire monter la force Parce qu'on voit surtout le soulevé de terre dans, dans les vidéos. On a vu un peu le squat, mais pas trop. Est-ce que par exemple, il y a un mouvement euh, ou deux de haut du corps où tu cherches à la faire progresser en force aussi Ouais. Euh, donc, ouais, comme tu dis, le, le deadlift et le back squat. Donc, euh, ça, c'est les deux incontournables, on va dire. Et puis après, euh, je... nous, on fait aussi beaucoup de traction avec mon groupe d'entraînement. C'est un mouvement que j'aime bien, les pull-ups, mais en, en keeping, pas forcément en strict. Donc, euh, parce que, en fait, ce qui m'intéresse pour le surf, c'est de pouvoir enchaîner des, des longues séries de traction. Euh, parce que clairement, ça se ressent tout de suite à la rame sur les appuis et tout ça. Euh, donc, euh, c'est un mouvement à sec pour progresser dans l'eau qui est assez efficace. Euh, je le recommande franchement même pour les nageurs et tout. Moi, je vois là tous les gars que j'entraîne euh, qui sont euh, triathlètes et tout, euh, ça, ça a changé leur façon de nager aussi. Euh, donc, ce, ce mouvement, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de façons de le faire. Euh, et du coup, ben... Bah, euh, Souvent, les gens pensent, quand ils pensent traction, ils pensent max de rep. Euh, et moi, c'est pas forcément le max de rep qui va m'intéresser quand je veux développer la force, mais plus le, le max de, de poids, l'intensité qu'on va mettre et tout. Donc, ouais, on arrive à, à faire des tractions lestées aussi. Alors, il euh, faut tenir compte aussi du poids du bonhomme. Hein. C'est clair qu'un euh, gars qui est à, à 60 kg, un gars qui est à 80 kg, ben, déjà, ils partent pas avec le même poids à soulever. Euh, mais voilà, après, euh, ils ont tous leur petit, euh, leur petit euh, challenge et tout. Et, et Joanne euh, fait partie de ces gens qui est capable de faire des tractions lestées. Je pense à, elle doit être avec un, à plus 16 kilos de son poids de corps en traction lestée, ce qui est déjà pas mal pour une fille. Tu disais, euh, j'ai pas chérie mais elle a un bas du corps exceptionnel. C'est un des trucs qui m'a surpris aussi, c'est qu'elle a un physique. Euh, je m'attendais pas à ce physique-là pour une surfeuse. Quoi. Comme je connaissais ouais. rien, j'ai dit, oh", dit oh", incroyable, une, je me suis dit une athlète complète. Quoi. Quand j'ai vu les vidéos, j'ai dit, oh là, c'est. C'est assez ouais. fou. Ouais, Joanne est une athlète complète et euh, elle a surtout un parcours un peu différent des, des autres filles, je pense, dans le dans le surf, euh, dans la mesure où elle est arrivée sur le World Tour il y a 10 ans. Euh, elle avait euh, elle avait bien bossé pour arriver là et tout, mais euh, c'est pas c'est pas une surfeuse qui a euh, un talent énorme. Aujourd'hui, on voit des filles qui ont un talent énorme, des filles qui s'entraînent pas beaucoup, mais qu'on euh, qu cette glisse, qu'on se flot. Et, euh, et, et forcément, bah, est, on est sur une activité qui est complètement visuelle, c'est un sport qui est jugé, donc euh, euh, ce qu'on voit, c'est vraiment euh, ce qui est important. Et, euh, et c'est vrai que Joanne n'a pas forcément au départ ce talent. Euh, par contre, comme je disais tout à l'heure, elle a d'autres qualités, euh, dont euh, sa force, sa puissance. Et, euh, et c'est une bosseuse. Donc, euh, on a vraiment travaillé sur ces points-là euh, pour qu'elle puisse montrer ça dans son surf. Et c'est ça qui a été un peu long au début. C'est de dire, OK, on va bosser, on va développer ta force, ta puissance, tu vas pouvoir envoyer de l'eau, tu vas pouvoir euh, surfer comme un mec et tout. T'as un physique pour ça, on va, on va vraiment utiliser ça et tout. Et, euh, et, et, et ce qui va être dur pour toi, c'est de, de réussir à, le, à montrer ça au juge en compétition. Et, euh, et puis voilà, et ça a demandé quelques, quelques, quelques semaines, quelques mois euh, pour qu'elle arrive à montrer ça et, euh, et à s'imposer comme une des surfeuses les, les plus puissantes du monde. Et, euh, et je pense qu'avec ce travail, justement... Elle a aussi montré à certaines filles qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une glisse incroyable ou, ou un talent incroyable euh, pour gagner des compétitions. Il y avait aussi oh, beaucoup de travail derrière, beaucoup d'entraînement et tout ça. Et, et elle a changé un peu la donne chez les filles. Euh, on a vu des filles commencer à s'entraîner, euh, à soulever de la fonte et tout, ce qui était inimaginable il y a dix ans en arrière, quoi. Et, euh, et elle a amené ça. Et c'est vrai que le niveau féminin, là, ces dix dernières années, il a explosé parce que maintenant toutes les filles s'entraînent. Toutes les filles euh, veulent euh, veulent être capables de d'être power sur les vagues euh, veulent euh, enfin, veulent tout ça aussi elles, elles veulent le kit quoi même celles qui ont beaucoup de talent elles veulent aussi euh, maintenant euh, la puissance et tout ça quoi c'est c'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi ce serait un peu contre intuitif mais euh, je suis aussi dans un sport de glisse actuellement qui est le kayak et euh, j'ai tendance à me penser qu'il faut rechercher la fluidité tu vois la fluidité la fluidité et au surf j'aurais pensé aussi que il fallait rechercher la fluidité et là, dans ouais. ton explication, tu montres en fait que, toi, il faut capitaliser, comme tu disais par rapport à Fabien Richard, que j'avais dans l'épisode 50, capitaliser sur ses points forts finalement et pas chercher à obtenir un truc qui va demander tellement de travail que ça se trouve tu ne l'obtiendras jamais. Quoi. Alors que tu as des points forts qui te permettent aussi de performer. Ouais, mais tu vois, moi, quand je fais l'analyse d'une vague euh, avec un surfeur et tout, euh, je vois plusieurs choses, mais surtout le, le truc qui me saute aux yeux. Qui va faire la différence d'un surfeur à l'autre, ça va être les temps forts et les temps morts qu'il va y avoir sur la vague. Pour moi, aujourd'hui, pour gagner des compétitions, il faut être capable de mettre des temps forts sur une vague. Et, euh, et euh, pour mettre des temps forts, eh ben, c'est souvent en haute vague que ça se passe, quand tu vas venir faire un turn, que tu vas être sur ton rail et que là, tu vas commencer, la board, elle va vraiment mordre dans l'eau et, et là, tu vas bouger de l'eau. Euh, donc, ce temps fort, à un moment donné, il va arriver d'un coup, ça va être bam, tu vois, tu vas le lâcher comme ça. Mais pour lâcher un temps fort, il faut être capable de se relâcher complètement euh, avant, tu vois. C'est ce qui va faire la, la beauté du truc. Tu vois, cette sensation justement de relâchement, et d'un coup, boum, ça explose, et ça repart, ça se relâche et tout. Et je pense que euh, en, en bossant vraiment en préparation physique sur des efforts explosifs et tout, et notamment pas mal de mouvements d'altéro et tout, on va réussir un peu à, à reproduire ça, et on, on va créer des schémas, si tu veux, euh, sur le plan moteur. Et, euh, et l'athlète va réussir peut-être à un moment donné à, à, à créer des énormes niveaux de force et se relâcher tout de suite derrière. Tu vois ce que je veux dire tout, 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 et tout à pour fait. Pour moi, on, on travaille aussi la fluidité comme ça. Alors, je, je reviens sur, sur la préparation physique. Comment t'organises un peu tes cycles d'entraînement Parce que j'imagine que quand tu fais, euh, tu mets l'accent sur la force, bah, tu vas pas faire d'explosivité. On voit dans les vidéos aussi pas mal des fois de l'entraînement avec des élastiques. Euh, on voit aussi. Là, ça me paraît quand même bien spécifique au surf, mais beaucoup de travail en instabilité, qui est beaucoup décrié actuellement. Mmh. Comment tu t'organises un, un peu les, les cycles dans la saison, sachant que, comme tu l'as dit, la, la saison est hyper longue, tu as 9 mois de compétition, tu es souvent euh, loin de chez toi, pas avec tout ton matériel. Donc, je vois euh, pas mal de, de limitations, mais comment tu fais, toi Ouais, franchement, c'est un casse-tête, c'est super compliqué. Euh, je bricole. En fait, je passe mon temps à bricoler. Euh, après, bah, les autres préparateurs physiques diront oui, mais la prépa physique c'est du bricolage à tout moment. Ouais, je suis d'accord, mais ça l'est encore plus dans le surf. Euh, on, on a une saison qui est très longue, beaucoup de déplacements, des waiting periods très longues. Ça veut dire que une compétition, elle peut être bouclée en trois jours, mais la waiting période, elle va durer 12 jours. Donc euh, pendant 12 jours, on ne sait pas s'il y aura surf ou pas surf. Ah, parce qu'il mais... qu y a, qu a peut-être pas de vague, C'est ça qu'il faut préciser pour ceux parce qui ne qu savent pas. Peut-être pas de vague donc, euh, mais tu ne le sais pas si comment vont être les conditions. On, on, avec les forecasts, aujourd'hui, on peut prévoir à peu près les conditions, mais il y a qu'en en, en, en visuel vraiment qu'on euh, qu sait si c'est surfable ou non. Donc, à partir du moment où la waiting période de la compétition commence, bah, tous les matins, tu es prêt. Tu fais ton réveil musculaire, euh, tu fais ton warm-up, euh, tu vas voir un peu comment c'est sur le spot. Et puis là, des fois, on te dit bon, ben bah, non, pas de compète aujourd'hui. Donc, euh, bah, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là bah, tu, tu bricoles. Voilà, on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui, tu te sens comment euh, ben, tu vois c'est plein de choses comme ça donc en compétition c'est très compliqué. Et puis euh, quand on est à la réunion, euh, on sait qu'on a huit ou neuf semaines et là on peut euh, plus euh, programmer un, un vrai cycle et, et des vraies euh, des périodes, où on va développer euh, la force, euh, des vraies périodes, où on va développer plus la vitesse. Euh, voilà, mais, euh, mais oui, on, on bricole toute l'année. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est dès qu'elle rentre à la maison, de, de faire, de remettre un rappel de force. Euh, voilà, c'est, elle, elle a des qualités de vitesse quand même assez innées au départ. Elle n'a pas besoin de beaucoup travailler euh, sa vitesse. Et l'avantage, c'est que quand elle est en déplacement, sans matériel, peut, on peut emmener juste des élastiques, des trucs comme ça. Et là, on peut vraiment bosser justement la vitesse et l'explosivité. J'ai vu que tu faisais faire pas mal aussi des exercices euh, sur surface euh, instable. Est-ce que ça, c'est vraiment spécifique au surf pour toi Ou c'est. Euh, Aujourd'hui, on entend. On voit tout et n'importe quoi sur les réseaux. Et je pense plutôt ouais. à, à tort là-dessus. Là Est-ce que c'est quelque chose que tu inclus par rapport au surf ou que tu inclurais quand même, tu sais, dans une optique justement d'être connecté, mieux connecté Ouais, dans une optique d'être mieux connecté. J'aime bien travailler avec les surfaces instables. Maintenant, c'est pas. Euh... Franchement, c'est pas non plus, euh, ça revient pas à chaque entraînement. Euh, c'est pas, euh, j'utilise peu finalement, mais euh, j'aime bien des fois en, en surf si tu veux. On parle beaucoup de transfert d'appui. C'est hyper important pour ton, ton, ton athlète qui soit capable de transférer ses appuis, euh, pied avant, pied arrière, pointe de pied, talon, tout ça. Tu vois, euh, en fait, une planche de surf, concrètement, euh, quand tu appuies sur l'avant, elle accélère. Quand tu appuies sur l'arrière, elle freine. Et quand tu veux surfer une vague, ben la vague, elle n'est pas complètement régulière. c'est pas une rampe de skate. Donc, par moment, tu es obligé d'accélérer par moment, tu es obligé de freiner. Euh, donc, voilà. Et, euh, et donc, tu as, as un transfert d'appui qui est constant. Et moi, ce que j'aime bien des surfaces instables, des fois, c'est tout bête, mais de faire des squats avec un pied en instabilité et l'autre sur une surface dure, ben l'athlète peut, peut doser son appui. Et je vais lui demander des fois appui, appui, appui du côté instable, appui, appui. Et, et ce n'est pas confortable avec une barre, ça demande beaucoup de, de concentration, beaucoup de, 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 euh, ouais, de, 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 de connexion aussi. Et, et des fois, j'aime bien, mais on est plus pareil, dans, on est plus dans, dans des schémas moteurs, tu vois, en mode, ben, qu'est-ce qu que je ressens sur le moment Co Comment je... Comment je sens mon transfert de poids de corps euh, Qu'est-ce que ça implique au niveau de mon haut du corps euh, Comment je sens mon, mon déplacement du mon centre de gravité Des choses comme ça, tu vois. Mais euh, clairement, euh, qu'on soit d'accord, on ne va pas développer de la force sur une surface instable. Même si on met des charges, c'est pour complexifier la tâche, mais c'est pas, c'est à aucun moment pour faire de la force. Voilà. Souvent, les gens ils, ils se trompent un peu avec ça. Ils, ils pensent que c'est euh, dans un but de gagner de la force, mais pas du tout. Est-ce qu'il y a euh, des cycles d'hypertrophie Tu vois, où tu cherches à. Alors, déjà, moi, je la trouve très musclée, euh, super balèze, mais est-ce qu'il est qu y a des cycles d'hypertrophie <laughs> ou tout ça Non, en fait, euh, bah, on n'est pas tous égaux là-dessus. Euh, et Johan fait partie de ces gens qui font euh, trois pompes et qui prennent des pecs. Donc, euh, euh, au contraire. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné. On utilise euh, l'aérobie pour venir des fois contrer un peu ça, si tu veux. Alors, euh, je sais que c'est une théorie qui est encore à euh, euh, débat. Ouais. Euh, maintenant, je sais que le problème qu'on a avec Joanne justement, c'est qu'elle va prendre vraiment de, 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 de la masse assez facilement. Et euh, bon, moi. En tant qu'entraîneur, qu ça ne me dérange pas parce que euh, je sais que cette prise de masse, elle, elle est plutôt intéressante parce qu'il y a des gains de force aussi qui vont avec et tout. Euh, voilà. Maintenant, elle, en tant, que, en tant que femme, ça la dérange un peu plus. En tant que surfeuse aussi, parce que euh, c'est vrai que toutes les planches, elles, elles sont faites euh, sur mesure avec des cotes qui sont bien précises et tout, avec un litrage. Et que euh, bah, si tu prends un petit peu de poids, il va falloir changer certaines cotes parce que ta planche, elle va plus réagir de la même façon, forcément. Donc, c'est plus ça qui va être, euh, on va dire, un frein dans l'hypertrophie et qu'il faut qu'on fasse gaffe, justement, euh, à ce qu'elle ne prenne pas trop. Sur l'aérobie, je le remarque à, à mon niveau. Plus je cours, plus je fonds. Ouais. <laughs> Donc, euh, malgré la muscu ouais. à côté et d'autres trucs, mais je vois bien que même si certains veulent parler d'interférence, il n'y a pas d'interférence, on n'est pas tous égaux, quand même, comme tu l'as dit, dessus. Et en tout cas, moi, mon on n'est pas euh, tous égaux, voilà. Et... Je pense que c'est important, nous, euh, avec Johan, euh, on a commencé à, à diffuser nos, nos entraînements et tout, à partager ça et tout, et, et, euh, et on l'a fait déjà dans un premier temps parce qu'en euh, surf, personne ne le fait. Et euh, vraiment, mais limite il y a dix ans, moi, quand je suis arrivé dans le milieu, c'était tabou, quoi. Personne disait comment ils s'entraînaient, on ne savait rien. C'est pour ça qu'on a beaucoup bricolé au début, d'ailleurs. Et on a fait un peu notre, notre chemin et voilà. Et du coup, on s'est dit, ben, le jour où, où on pourra, on partagera un peu ce qu'on a fait et tout. C'est pour ça qu'on partage. Mais, euh, mais on ne partage pas non plus pour dire, euh, voilà, c'est ça la méthode et il faut faire ci et il faut faire ça. Non, on, on, nous, on, on a ouvert des portes, on a, on a testé des choses et, et aujourd'hui, on le partage. Et, euh, mais, euh, mais voilà, après, chaque, chaque athlète, chaque individu est complètement unique à son propre vécu. Et, euh, et du coup, ben, bah, ce qui marche avec Johan ne va pas marcher avec quelqu'un d'autre, euh, à coup sûr. Moi, par exemple, euh, je fais beaucoup de muscu parce que j'adore m'entraîner avec mes athlètes. Pour moi, c'est important de vivre aussi ce que eux y vivent. Donc, j'en fais beaucoup. Et à côté de ça, euh, bah, je prends pas un de, je prends pas un gramme de muscle parce que j'ai pas, j'ai pas une physiologie qui me, qui me le permet visiblement. Donc, euh, donc voilà, je sais que je vais pas prendre de masse. Par contre, ben, bah, comme toi, moi, dès que je vais aller courir, dès que je vais aller rouler. Là, par contre, je sais que je vais sécher complètement, quoi. Cet environnement, parce que pareil, dans les vidéos, on voit donc euh, ta salle e extérieure, euh, ouais. et donc on te voit t'entraîner des fois avec les athlètes, mais on voit aussi d'autres athlètes. J'ai l'impression ouais. qu'il y, y a quand même, euh, tu parlais des triathlètes, des trailers qui s'entraînaient des fois avec vous. J'ai l'impression qu'il ouais. y a quand même euh, une sorte de, de cocon d'athlètes que peut-être tu entraînes ou pas, tu vas me dire, mais qu'en en fait l'entraînement est, est assez partagé, en fait. Tu vois. Euh, ouais. En fait, ça, ça a été une volonté au départ. Euh, moi, j'ai commencé à travailler avec Joanne sur de la prépa mentale, au début, juste de la prépa mentale. Elle avait un préparateur physique, euh, Joël Hauss. Je sais pas, tu connais peut-être le, le papa de Davidos, qui a fait quatrième des Jeux de Londres en triathlon. Ça me parle de ah. loin, mais pas trop. <laughs> voilà, voilà, donc Joël est préparateur physique et du coup, elle bossait avec lui, machin. Moi, je suis un pote de Joël et David, donc euh, je connaissais bien, euh, bien Joël et du coup, bah, je lui ai proposé mes services en tant que préparateur mental si, euh, bah, si elle en avait besoin parce que euh, la Réunion, c'est petit et que pour nous, bah, c'était euh, la championne locale et qu'elle euh, elle, s'était qualifiée sur le tour, ce qui était un peu incroyable parce que c'est la seule française, la seule européenne. Enfin, bon... bref. Et euh, du coup, j'ai commencé en prépa mentale. Et très vite, euh, Joël a voulu se concentrer sur les Jeux de Rio. Euh, donc, c'était 2016 avec, euh, avec David. Donc, il m'a refilé la prépa physique de Johan. Et on a commencé à, à, à travailler ensemble, euh, du coup, sur les deux, les deux aspects. Et ce qui m'arrangeait bien, parce que c'est beaucoup plus facile de lier les deux, comme je disais tout à l'heure. Et, euh, et du coup, voilà. Et euh et Johan, vu qu'elle vient d'un sport où euh, c'est pas des acharnés niveau entraînement, c'était vrai il y a dix ans, ça a changé comme je disais, mais euh, voilà, c'était pas euh, les surfeurs, ils sont compliqués, hein, déjà ils sont pas du tout organisés, euh, ils sont un peu à l'arrache rage tout le temps. Ce qui voilà, c'est l'image la... qu'on a. <laughs> ouais, ouais, mais c'est la réalité. Hein, les gars, ils veulent passer du temps à l'eau, ils veulent beaucoup surfer. C'est vrai que c'est un, un sport qui procure énormément de frustration, mais aussi énormément de plaisir. Donc, euh, moi, je les comprends, euh, de vouloir passer du temps à l'eau et tout, euh, c'est chouette, quoi. C'est euh, l'essence même de ce sport et tout, et, et c'est génial. Mais euh, il faut pas négliger non plus euh, les basiques à côté et tout. Donc, euh, donc voilà pourquoi euh, j'ai créé ce groupe d'entraînement. C'était pour le rendre le, la tâche un peu plus fun, on va dire. Donc, au début, euh, les premières personnes que j'ai entraînées, c'était, on va dire, des, plus des, des copains. Qui étaient un peu dans le même état d'esprit, qui voulaient s'entraîner, qui voulaient partager des, des entraînements avec Johan et tout. Et puis, euh, bah, le bouche à oreille euh, fonctionne bien à la réunion. Et il euh, bah, y a pas mal de gens, j'ai eu beaucoup de demandes <laughs> de gens qui voulaient venir s'entraîner et tout. Et euh, du coup, j'ai limité mon groupe à une douzaine de, de personnes. Quoi. Et, euh, et voilà, j'ai eu des profils complètement différents. C'est ce ça que je voulais aussi, des sports différents, avoir un peu de tout. Euh, mais avec toujours le, le, le même, on va dire le même état d'esprit et un point commun à, à tous mes athlètes, c'est euh, c'est le la détermination, l'objectif que je poursuis. Tous mes athlètes qui viennent s'entraîner, ils poursuivent un objectif. Ils font pas ça dans le vent. Donc quand ils viennent s'entraîner, ils ont envie de s'entraîner. Et, et J'ai envie de te poser une question parce que par rapport à toi, ton entraînement. De ce que je comprends, tu es souvent en déplacement. Donc, oui. euh, toi, tu passes un peu au second plan en tant qu'entraîneur et ta pratique personnelle a, a évolué, on va dire ça comme ça, mais euh, c'est plus celle que tu t'avais quand t'es arrivé, je pense. Euh, comment tu le vis euh, de... Est-ce que entraîneur, c'est forcément euh, faire passer euh, les athlètes en premier Tu vois, là, tu les fais vraiment, j'ai l'impression de passer en premier. Ouais, ouais mais... Euh... Disons que euh, au début quand on a commencé à voyager et tout, j'essayais en même temps de continuer à mettre des dossards. Donc euh, je partais en déplacement, Johan s'entraînait, j'étais là pour ses entraînements et tout. Dès qu'elle euh, en profitait pour faire sa récup et tout, moi je partais courir. Euh, voilà, j'ai fait ça pendant 2-3 ans, même 3-4 ans et puis euh, j'ai compris que c'était euh, c'était une charge mentale qui était trop importante euh, pour moi. Je me mettais un peu la pression pour rien. Et, euh, et et ça me plaisait pas, je le vivais mal, euh, j'arrivais plus à performer comme je performais avant. Euh, et puis euh, et puis à un moment donné, je me suis dit mais en fait moi ma pratique c'est juste du loisir, je gagne pas, je gagne rien avec ma pratique. Je suis pas je suis pas un sportif professionnel. Alors euh, j'adore ça, euh, j'ai un bon niveau, c'est chouette et tout, mais euh, mais vis pas. Alors que Joanne elle en vit et, euh, et que si je m'investis à 100% dans son projet, si je suis à fond. Si même moi je, je suis meilleur dans ce que je fais, elle sera forcément meilleure aussi. Et si elle est meilleure, eh ben, ça veut dire plus de médailles, et plus, plus de victoires, plus de tout ça. Du coup, ben, j'ai décidé d'arrêter de, de la compétition complètement. Et euh, mais je n'ai jamais arrêté l'entraînement, en fait. <laughs> et, et, Est-ce que malgré tout, tu arrives à progresser quand même à, à ton niveau Ouais, bah ben là, moi, en fait, le truc, c'est ça. C'est que euh, maintenant, tous les gars que j'entraîne... J'ai quand même euh, un malin plaisir à être devant eux à vélo ou à pied ou, ou sur un des lifts. <laughs> on, <te rire> on te voit faire des reps lourds aussi au sommet de terre. <laughs> ouais, ouais, voilà. C'est un peu un, un challenge aussi pour moi. Bah, déjà, je veux rester en forme. Euh, et puis, comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de... Moi, je, je fais euh, de la muscu tous les jours pour, euh, pour vivre un peu l'effort le, avec eux. J'aime bien ça aussi, de, de, des fois, de mieux ressentir un peu ce qu'ils ce qui, ce qui vivent à travers ce que je leur demande de faire et tout. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je fais souvent avec eux. J'aime bien. Et, et puis ouais, moi, de toute façon, je suis resté sur mon, mon profil de triathlète. Je peux m'entraîner 30 heures par semaine s'il faut. Justement, pour, pour les surfeurs c'est quoi une journée type C'est deux, trois entraînements Je dis, je dis une connerie, hein, tu me corriges. Mais genre, il euh, y a des vagues le matin, il y a des vagues l'après-midi, donc on y va euh, toute la journée euh, et s'il n'y a pas de vagues, on va faire une muscu, peut-être une course à pied ou un vélo, ou plus. Ben après, euh, en fait, on dépend vraiment des conditions. Donc, euh, quand il y a vraiment des vagues et que c'est vraiment très bien, qu'il y a moyen de bien s'entraîner et tout, euh, on, on met tout le reste entre parenthèses. Ça veut dire que le surf devient vraiment le, la priorité absolue et on peut surfer une, deux, trois fois dans la journée. Euh, et puis, euh, et puis voilà, on fait des grosses journées comme ça. Et après, euh, quand l'océan se calme un peu, parce que l'océan c'est quand même très cyclique et il y a plus de temps mort que de temps fort, justement, euh, là on va euh, on va revenir sur un entraînement euh, classique et on est euh, avec Joanne, on est à deux séances par jour. Euh, généralement une, une séance de muscu et, euh, et après une séance plus euh, aérobie, course à pied ou vélo, quoi. Je, je reviens sur, sur un peu les datas parce que le, le surf de ce que je comprends est évalué par des juges ils vont noter comment tu prends la vague tout ça ouais Et euh, alors que tu vois que dans beaucoup de sports tu vois si on parle de triathlon tu peux avoir des data. tu parlais du vélo bah, tu sais euh, mm. voilà quelle puissance tu mets quand tu cours as ton chrono donc tu sais à peu près là c'est un, ouais. un peu difficile quand même de savoir si tu progresses ben c'est ça C'est en fait c'est hyper subjectif parce que comme je disais tout à l'heure l'intérêt d'être puissant à l'eau c'est de pouvoir bouger de l'eau donc, c'est la gerbe d'eau qui, euh, qui va témoigner de la puissance de, de ton turn, si tu veux. Mais c'est hyper, hyper subjectif. Voilà. Donc, euh, c'est donc, difficile d'évaluer un surfeur. Maintenant, euh, ce qui est important, c'est qu'on va regarder vraiment les scores les scores de, de Johan tu vois et, et ça c'est ce qui nous intéresse c'est euh, donc c'est une fois de plus hyper subjectif mais euh, mais on est vraiment sur le c'est le seul paramètre qu'on a disons en compétition pour évaluer mais euh, voilà ça va dépendre de l'océan aussi donc le jour où les vagues elles sont minuscules et que c'est tout pourri et tout bah forcément les scores ils vont être tout pourris tu vois tu vas pas faire des 10 quand il y a euh, deux pieds de vague et que et que le plan d'eau est gâté et... Donc, euh, c'est donc difficile d'évaluer euh, à l'eau. Et puis, bah, en dehors de l'eau, euh, ouais, on va utiliser, nous, euh, capteurs de puissance, euh, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas très parlant pour un surfeur, ça. Ouais, je dire, ça, ça va être assez frustrant parce que tu peux progresser sur tous les domaines de ta préparation physique. Et finalement, si tu prends pas la bonne vague ou qu'il n'y a pas la bonne vague pour toi, en fait, euh, ça se concrétise pas. quoi. Ouais voilà. C'est pour ça que... Je disais, tu vois, au début que le surf, c'est un des sports les plus complets que, que, que j'ai eu la chance de, de pratiquer. Et euh, parce qu'il y a une dimension mentale qui est hyper importante là-dedans. Et puis, tu as l'élément que tu contrôles absolument pas. Donc, tu as, as beau contrôler beaucoup de choses. L'élément, tu ne le contrôles pas. Donc, euh, il faut avoir aussi le sens marin, euh, le sens du placement, savoir lire les courants, euh, savoir anticiper ce que la vague elle va faire, parce que c'est pareil. Quand tu choisis de démarrer sur une vague, ben, il faut être capable de bien lire le shape de la vague euh, pour voir comment elle va évoluer, parce que des fois, une vague, on dit qu'elle ferme. Tu vois, si elle casse d'un coup, bon bah ben, tu fais rien du tout. Il faut qu'elle ouvre un minimum pour pouvoir euh, l'exploiter. Donc, il y a beaucoup de choses, tu vois. Mais euh, on va dire que. Bah, si tu as envie d'être parmi le, 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 les top surfeurs, le meilleur niveau mondial, il faut que tu aies le package, quoi. il faut que tu aies tout. Il faut que tu tout. Donc si tu peux gagner un ou 2 grâce à la prépa physique, bah, je pense que ça vaut le coup quand même d'aller les chercher. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de jeunes coachs qui nous écoutent, de jeunes préparateurs physiques, ou du moins des gens qui veulent se lancer, est-ce que tu vis bien en tant que préparateur physique, on va dire en haut de l'échelle, tu vois, au niveau euh, de ton métier euh, moi, je vis bien parce que parce que Joanne vit, euh, vit bien de son métier aujourd'hui. Euh, moi, il faut savoir que j'ai commencé euh, en tant que bénévole hein, pour Joanne. Euh, C'était un peu un pari, tu vois. Euh, J'avais un métier moi à côté. Euh, euh, J'étais journaliste sportif. Euh, je coachais aussi des clubs de trail et de triathlon. Euh, J'avais ce qu'il faut pour vivre. Hein. Et, euh, et quand j'ai commencé avec Joanne, euh, bon bah elle, par contre, elle n'avait pas de sponsor, euh, elle n'avait pas une thune, elle était euh, nouvelle sur le tour et tout. Euh, euh, J'allais pas lui demander une rémunération quoi. Donc euh, bah, j'ai commencé bénévolement, euh, disant euh, ouais moi je crois en toi, toi tu crois en ton projet, moi aussi j'y crois, j'adhère à fond et tout. Euh, et ben moi je vais tenter le coup et puis je vais te je vais te donner de mon temps. Et puis euh, et puis le jour où ça marche et ben on verra si t'as envie de continuer avec moi c'est super si t'as envie de travailler quelqu'un d'autre et ben tant mieux parce que ça veut dire que je suis trop limité dans, dans mon métier enfin voilà et euh, et du coup on est parti de très loin et aujourd'hui euh, aujourd'hui elle gagne bien sa vie parce qu'elle est la meilleure européenne depuis dix ans et que euh, et qu'elle euh, va faire ses deuxièmes Jeux olympiques là, à Tahiti, et qu'on ben, sait que depuis que le sport est olympique, il ben, y a aussi plus de, plus de sponsors, plus de médias, plus de tout ça. Donc, donc oui, aujourd'hui, euh, aujourd j'en vis bien, mais, euh, mais je ne sais pas non plus euh, comment ça va évoluer. Moi, j'adore aujourd'hui euh, travailler avec euh, des gens euh, lambda, des amateurs, et tout ça aussi. Mais pour autant, euh, je ne me vois pas non plus euh, avoir une salle avec 50 personnes et tout. Euh. Donc, euh, je ne sais pas trop euh, ce que, ce que l'avenir nous, nous réserve. Moi, je suis beaucoup dans la formation. J'adore former les gens à la prépa physique, euh, leur transmettre un peu ce que mon expérience du terrain, ce que même ce qu'on a vécu avec Johan euh, tous les deux, ce que ça nous a apporté, tout ça. Donc, on organise quelques stages euh, sur l'année, un ou deux. On, on accueille les gens, on fait un peu de prépa physique, on fait un peu de surf, on fait un peu de yoga, on fait, on passe des bons moments et tout. On, on aime bien ce, ce, ce rythme-là aussi. Donc, euh, donc voilà. Je sais pas si, euh, je sais pas si j'ai encore envie de travailler dans le très haut niveau <laughs> parce qu'il y a beaucoup beaucoup de contraintes. Euh, c'est passionnant, c'est sûr, c'est passionnant. Euh, après nous on est dans une situation qui est plus délicate parce qu'on est sur un sport qui est complètement privé c'est une ligue qui est américaine la World Surf League euh, donc nous on n'a pas besoin de tout le côté fédéral on n'en a jamais eu besoin mais euh, par contre les Jeux Olympiques c'est le côté fédéral donc on est obligé de travailler euh, avec la fédération pour les Jeux et, euh, et ça c'est un peu le, 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 le grain de sable j'ai envie de dire dans l'engrenage parce que euh, la FEDE a pas forcément l'expérience du, du tour comme nous on l'a l'expérience du très haut niveau. Euh, ils sont plus sur le côté amateur et, euh, et des fois, ben, ne, on n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas la même vision du truc et tout et, et voilà. Et, des, et on est souvent en train de, de discuter, de faire des compromis et tout ça. Et euh, ça va mieux. Là, on va être à Haïti euh, euh, pour les jeux là en juillet et tout. Et c'est vrai que depuis euh, Tokyo a été un fiasco. Mais depuis, on a beaucoup travaillé ensemble. On a, on a, on a réussi à pas mal échanger et, et, euh, et à trouver, on va dire, des, des terrains d'entente et à faire en sorte que ça roule. Et aujourd'hui, ça roule bien. Mais, euh, mais voilà, je sais que là, euh, après les Jeux de Paris, ben, euh, on va être libéré de tout ça. Et, euh, et c'est pas plus mal aussi. Aujourd'hui, si quelqu'un nous écoute. Et qui souhaite travailler avec toi, euh, t'es complet <laughs> Travailler avec moi pour venir faire du sport ou oui pour euh... faire de la prépa, prépa physique, tu vois, en, de en dehors des, ouais. des stages et, et formations que, que tu proposes euh, ouais, sur l'île, comment on fait Est-ce que t'es es complet complet Parce que là, on voit que tu as un rythme assez fou. Est-ce qu'il y a de la place dans tes groupes d'entraînement dans ta salle extérieure <laughs> Alors, j'ai encore deux trois places vraiment pour dépanner. Euh, mais j'en ai plus beaucoup, on va dire. Je suis quand même, je suis quand même complet. Et puis aujourd'hui, euh, tu vois, je, je travaille avec des gens qui. Le contrat qu'on a ensemble aussi, c'est que bah, quand je suis en déplacement, euh, je ne veux pas entendre parler d'eux, ils me laissent tranquille. <laughs> Comme ça, je peux me concentrer sur, euh, sur Johan et, et voilà. Donc, euh, c'est un peu un deal que j'ai avec eux. Et puis après, quand je suis à la réunion, on se tape des bons cycles d'entraînement et tout, et on profite bien, et, et c'est chouette, quoi. Donc, là, j'ai un groupe qui est vraiment, qui est top, j'adore, euh, que des gens qui, qui, avec, au fur et à mesure des, des séances, deviennent des amis et, et on passe des bons moments. Tu vois, il y en a, ce week-end, qui voulait aller rouler, ils m'ont appelé, on est parti rouler ensemble. Du coup, euh, non, c'est fun, quoi. Après, ils viennent à la maison, on se fait un petit déj, un café. C'est chouette, c'est plus comme ça que je vois les choses. C'est avant tout du plaisir, j'adore ça, tu vois. Donc, euh, donc, voilà, les gens qui partagent les mêmes valeurs et tout sont, sont les bienvenus, évidemment, dans, dans la limite des places disponibles. <laughs> Parce que mon terrain est, est pas extensible et je pense que quand on est quatre ou cinq, c'est déjà pas mal. Hum, quelle est la, la formation que tu as suivie? qui t'a le plus impacté Le plus impacté Je sais pas. De... Enfin, moi, j'aime bien les formations. J'adore apprendre des choses. Euh, je lis beaucoup aussi à côté. Je suis tout le temps en train de chercher sur Google euh, des articles, des trucs. Donc, euh, je suis vraiment curieux de, de nature et euh, euh, toutes les formations sont bien. Tu apprends toujours un truc. Tu vraiment, devais en faire ouais. qu'une dans toutes celles que tu as fait, vu que tu en fais une chaque année. Laquelle tu ferais euh, laquelle je ferais ah, C'est difficile. Hein. Eh oui, je sais. Euh, j'ai beaucoup aimé la muscu fonctionnelle et pourtant, et pourtant, je me suis inscrit un peu par hasard. Je <laughs> n'étais pas, euh, pas du tout emballé par le programme. Et, euh, et finalement, bah, j'ai appris plein de choses et, euh, et ça m'a beaucoup plu. J'ai ai, ouais, ai bien aimé, j'ai adoré la muscu fonctionnelle. Ouais. Finalement, je trouve que c'est la formation qui était le plus en, en lien, on va dire, avec euh, mon travail quotidien euh, avec les sportifs amateurs. J'arrive au, au bout de mes questions. Simon, est-ce qu'il y a des, des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé Écoute, il y en a tellement, je pense qu'on pourrait faire euh, plusieurs, <laughs> plusieurs émissions. <laughs> non, non, comme je disais, le, la prépa physique, c'est super vaste. Le surf aussi, il y a plein de choses à faire. Euh, non, je pense que moi, ce que je retiens en tout cas de mon expérience, et si ça peut aider euh, d'autres euh, coachs et tout, c'est euh, moi, j'ai toujours travaillé beaucoup avec l'observation. Je suis capable d'observer pendant des heures et des heures, de voir comment ça marche et tout avant de prendre des décisions. Donc euh, voilà, observer avant d'agir, je pense que c'est important dans notre, euh, dans notre métier. Et, euh, et je pense que c'est important aussi à un moment donné d'aller bah, pratiquer soi-même. Je ne comprends pas aujourd'hui qu'il y ait des entraîneurs, euh, des, des préparateurs physiques qui n'aient jamais essayé le sport pour lequel ils, ils préparent des gens. Euh, pour moi, c'est important. Euh, alors, euh, j'ai la chance que là, c'est du surf et que, euh, que c'est fun et tout. C'est sûr que... Si c'était de la lutte ou un truc comme ça, je ne sais pas si euh, <laughs> j'irais au contact aussi facilement. Mais, euh, mais je pense que c'est important ouais, de, de se mettre un peu à la place de l'athlète, euh, de comprendre un peu euh, sa pratique et tout ça. De, voilà. Des fois, on voit des, des petites choses et des fois, on sent des petites choses. Et, euh, et c'est important parce qu'on est sur, une, sur un métier où c'est aussi beaucoup de feeling. Euh, beaucoup, beaucoup de feeling. Il y, a, il y a plein, il y a beaucoup, beaucoup de théories en prépa physique. Euh, on lit de tout et euh, il y a beaucoup de théories et leur contraire aussi. Euh, il y a beaucoup de, voilà, il y a, il y a beaucoup de, de points qui sont discutables et tout. Donc, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'observer et de ressentir pour pouvoir se faire son, sa propre idée et tout. Je pense qu'en prépa physique, on peut pas non plus se tromper. Euh, de rien faire, c'est se tromper. Ça, c'est sûr. Euh, mais voilà, après, il, il faut accepter qu'on peut aussi des fois se tromper. On, on fait des choix et ils sont pas forcément les bons. Et, et puis voilà, derrière, il y a juste à rectifier en fait. C'est juste ça, c'est jamais très grave. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, et puis suivre des formations régulièrement, je pense que c'est important d'être à jour. Euh, tu vois, si on fait référence par exemple à la formation de, de coach Altero, ben moi, je la trouve super cette formation parce que euh, pour les techniques de base et tout, ben, c'est hyper important. Aujourd'hui, il y a trop de coachs qui, qui font n'importe quoi. Enfin, on voit sur Instagram des trucs, mais moi, ça me, ça me désespère. Quoi. Et euh, il faut quand même un minimum de technique parce qu'à un moment donné, de toute façon, moi, c'est ce que je dis à mes gars, vous voulez progresser, il va falloir soulever lourd. Et si vous voulez soulever lourd, il faut avoir la technique. Tant que vous n'aurez pas de technique, et ben, vous ne progressez pas. Donc, euh, donc c'est important aussi de, de de se former et de pouvoir après transmettre les des bonnes choses quoi. Donc euh, donc voilà, c'est un peu euh, c'est un peu le message que que je ferai passer et euh, et voilà, n'ayez pas peur de d'observer. Bah, bah, j'ai j'ai une autre question parce que là donc tu regardes un peu Instagram mais sur Instagram tu postes presque rien. <rire> <Après>. <rire> Donc, euh, s'il y en a justement qui, qui, qui veulent suivre un peu plus euh, ce que tu fais, est-ce qu'il y a des endroits particuliers où on peut suivre un peu plus ce que tu fais, en dehors des vidéos sur la chaîne de Joanne, donc de fait, D-E-F-A-Y, où elle poste régulièrement ouais. des vidéos où on te voit, où on voit un peu de séances, des bouts de séances en tout cas, qui sont très sympathiques en plus. J'aime bien ces vidéos. Est-ce qu'il y a un endroit <laughs> où tu partages un peu plus, euh, voilà, où pour l'instant, euh, t'as pas trop de temps et tu restes un peu dans l'ombre et peut-être à l'avenir... Euh... Écoute, moi je ne suis pas très réseau, euh, sincèrement. C'est euh, une grosse partie de notre boulot avec Joanne parce que je l'aide aussi euh, là-dessus sur ses réseaux parce qu'elle gagne sa vie aussi avec ça. Donc, euh, donc elle en fait déjà beaucoup et ça nous prend du temps et tout. Donc moi de mon côté, j'en fais pas. Euh, par contre, euh, on a quand même un compte Instagram qui s'appelle JS Surf Training euh, où on poste. Euh, quand même. Est-ce que, est que, est que tu peux épeler euh, les lettres pour qu'on comprenne bien Alors c'est JS, comme euh, Joanne et Simon, okay. ⁇ euh, euh, -surf training ⁇ Ok, super. Tout simplement. Et, bah, je et te là, te, sur... je ne pas tombé dessus, donc c'est cool. Ouais, bah tire à voir, il y, y a des vidéos sympas, euh, c'est pareil, c'est juste des petits, des petits bouts de, de séance, des fois un exercice, un truc. Euh, euh, c'est vrai qu'on est... Euh, on travaille beaucoup. Moi, mon truc, c'est beaucoup la mobilité. J'adore la mobilité. Et aujourd'hui, avec les gens que je reçois chez moi pour s'entraîner, j'ai constaté que ben il y a toujours un énorme déficit de mobilité. Alors, ok, il y a des sports où on s'en fout, et je suis complètement d'accord avec ça. Quand j'entends des préparateurs physiques qui disent que ouais, mais la mobilité, là, le footballeur, on, on s'en cogne et tout, ok. Mais ce footballeur, à un moment donné, il va vieillir, et si on veut qu'il vieillisse bien, il faut peut-être faire un peu de mobilité maintenant. Donc euh, donc, ouais, clairement, on fait beaucoup de mobilité parce que, en plus, c'est un, un gros sujet dans le surf, vraiment. Euh, pour être capable d'encaisser des fois des, des grosses chutes sur les vagues et tout, il, je pense qu'il faut une certaine, certaine mobilité aussi pour ça, pour ne pas se faire mal. Euh, voilà. Donc, euh, donc, voilà, on, a, on propose souvent des exercices de mobilité. Euh, on a pas mal d'exercices aussi au niveau de la, la mobilité des épaules parce que c'est un, un vrai sujet en surf aussi. L'épaule, les on sait que c'est une articulation qui est complexe. Euh, qui peut être fragile aussi chez certaines personnes et du coup euh, on a beaucoup de questions là-dessus. Les gens nous écrivent beaucoup sur Instagram. Donc euh, bah, euh, dès qu'on fait un truc à l'entraînement en lien avec un message qu'on a eu avant, bah, on... ah bah tiens là on va le filmer et puis on va le mettre sur Instagram et puis comme ça on expliquera un peu aux gens qui peuvent faire ça. Voilà. Mais euh, une fois de plus on montre des exercices qu'on fait nous. On n'invente pas des exercices pour les filmer. Euh, euh, voilà, c'est juste, euh, on, on va capturer un moment euh, sur la séance et tout. Donc c'est pas des vidéos qui sont parfaites. <laughs> des fois le décor derrière, ça arrive qu'il y ait du linge en train de sécher ou des trucs comme ça. Euh, mais voilà, c'est on aime bien des fois montrer un petit truc euh, qu'on fait. Quoi. Et, et ben bah, super. Et bah, merci euh, de ton temps, Simon. Je, on aura réussi à, euh, à faire ce podcast. C'était euh, super euh, intéressant pour moi. Euh. Donc, bah, je vais continuer à suivre tout ça et aller voir la page Instagram que je n'avais pas trouvée. Donc tu vois. Ouais, euh, bah, elle, 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 est bien, elle est bien cachée parce que j'ai trouvé ton compte Instagram toi assez facile. Donc Fa coach. Suit Johan ouais. forcément. Mais euh, c'est vrai que ouais. je n'étais pas tombé sur euh, JS Surf Training. Et même sur les ouais, vidéos, bah, j'ai pas l'impression que ce soit mis en description. Si jamais. Mais tire à voir. Normalement, si tu tapes Simon Paillard, Joanne de Fête, tu tombes sur ce compte. Ouais, ouais, bah, euh... je vais le trouver tout de suite. Tu me diras ce que tu en penses. <laughs> Bien sûr, bah, je vais m'abonner après et voir si je, je trouve de... encore un peu plus d'inspiration. <laughs> <laughs> bon, en tout cas, merci à toi, Simon, pour ton temps. Et puis, euh, au plaisir de continuer à suivre les aventures ouais carrément carrément bah, merci à toi continue ton podcast vrai que ça me... moi j'aime bien quand je... je pars sur mes longues sorties à vélo avoir un petit podcast dans les oreilles c'est toujours sympa euh, donc euh, continue aussi de ton côté euh, à nous partager tout ça bah, j'ai encore des questions donc ça va aller normalement <laughs> ça marche bon bah bon entraînement et peut-être à bientôt salut à tous merci à bientôt si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement, grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.